ติดขมายมีสังเครียมสามสิบชั่นน้ำไว้นะจ้าสามสิบชั่นน้ำให้ก็เนี่ยขมายก็หอมก็เอายึงตะฟื้นกาขนมเปรย์ตะดอกตะสตูงตะฟื้นกาอะไรใดไอ้จังAu moment même où la plupart des autres pays d'Asie jetaient les fondations de leur émergence économique, le Cambodge a subi 10 années de guerre et de massacres, puis 10 années de stagnation et d'isolement, suivies par 10 années encore de marches difficiles vers la paix civile. มีแต่ปรีให้นั่งอดแต่ตุ้ยตุ้ยตุ้ยจ้าให้ตอนนี้มีเพลิงจ้ายงกบาลสโลมันติดนะมีกิจดับเพลิงเอาให้ตารู้บ้านเธอตีขนอลเธอเพลย์เธอเพลย์จ้าเธอเพลย์เอาบ้านสโลจ้าCe n'est qu'à partir de 1998 que le pays peut tenter de rattraper le temps perdu. L'économie décolle. Elle frôle 9% de croissance. Puis, déjouant les pronostics pessimistes, elle accélère avec plus de 10% de croissance. Elle fait même preuve d'une étonnante résilience lorsque la crise internationale frappe. Dès 2010,Elle repart sur une pente de croissance de plus de 6 à 7%. Je me suis dit que je suis venu à la maison de la maison de la maison. Je me suis dit que je suis venu à la maison de la maison de la maison. Je me suis dit que je suis venu à la maison de 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 la maison.ខ្ញុំបង្កើតមុខរបរលក់សំណង់នេះមកពីប្រជាជននៅកន្លែងនេះគាត់តែគេដូចថាមានសេដ្ឋកិច្ចគេរីកចម្រើនអញ្ចឹងហើយគេអាចមានលុយធ្វើផ្ទះអញ្ចឹងហើយតែកាលណាយើងនេះទៅគេត្រូវការទិញដូរអីយើងអញ្ចឹងវាអាចលក់ដាច់ចា12ឆ្នាំមុនទីនេះមិនសូវមានចរាចរអ៊ូអរប៉ុន្មានទេដោយសារគ្មានស្ថិរភាពនិងទំនុកចិត្តតែនរណានឹងហ៊ានវិនិយោគទំហំធំនាំចូលសម្ភារៈសំណង់គ្រឿងម៉ាស៊ីននិងតំណែងប៉ាប្រាក់ទាំងនោះទៅតែសហគ្រិនក្នុងស្រុកនិងបរទេសដោយជារូបខ្ញុំនឹងមកធ្វើពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងនេះទៅគ្មានពាណិជ្ជកម្មគ្មានការលីចម្លានគ្មានការងារការដឹកជញ្ជូននិងការស្តុកទំនិញសល់ហើយIl y a bien sûr un phénomène de rattrapage après tant d'années de privation et de non-investissement. Mais l'élan qu'a connu l'économie au cours de ces 12 dernières années a été largement tiré de l'extérieur.L'aide internationale massive des premières années a été poursuivie et amplifiée grâce à la politique d'ouverture très libérale choisie par le gouvernement. Cette politique a de plus séduit les investisseurs étrangers. Sans ces investisseurs, l'envol des secteurs textiles, touristiques, bancaires et de la construction à eux seuls plus de la moitié du produit intérieur brut n'aurait pas été aussi rapide. Des taux de croissance de 20 à 25% par an dans l'industrie touristique.
Mais sans liberté d'entreprendre et les facilités données aux investisseurs, le pays n'aurait pas bénéficié du réseau des grands hôteliers et du savoir-faire des gestionnaires d'aéroports et des compagnies aériennes qui ont mis le Cambodge sur la carte du tourisme mondial. Avec encore, patrimoine mondial de l'humanité, n'était-ce pas comme acquis d'avance ? Le site d'Angkor attire en effet énormément de visiteurs. Et cela se fait grâce tout d'abord à l'effort constant et colossal de notre gouvernement pour assurer la sécurité, la stabilité politique. Mais aussi grâce à la capacité d'apprentissage et à la compétitivité de la main-d'œuvre, à la stabilité des prix, à la liberté de transfert des capitaux. Dans le textile, le pays n'avait ni tradition, ni avantage décisif. Les régimes spéciaux d'importation accordés par les États-Unis et l'Europe ont été au démarrage très utiles. Mais on n'aurait pas construit plus de 300 usines sans être sûr que le pays ne reviendrait pas sur la liberté du commerce et des transferts des capitaux, le système d'échange réaliste, le cadre des affaires pro-business qui venait d'être introduit. L'intégration à la communauté internationale, avec l'entrée dans l'ASEAN et à l'OMC, nous ont prouvé qu'il serait vraiment difficile de faire marche arrière. Aide surtout occidentale, investissement direct surtout asiatique. Les banques se sont donc multipliées. It's obvious we move forward so fast that plenty is still to be done. With more than 30 licensed commercial banks and a possibility for new applicants, some fears that the oversight responsibilities of the central bank might outstrip its resources. But we have tripled the minimum amount of registered capital, and so far, almost all banks will comply. Also with the IMF, we are working harder to strengthen and train our supervision staff. The core issue is not merely a problem of numbers. What is at stake is the capacity of all our banks to deliver good service across a large array of sectors and operations of staying more or less isolated within a small niche of their own. New entrants can bring in a lot. A freeze would be less effective than better licensing and oversight. The core objective is higher professionalism and rationalism through competition. Rassuré par le système de fixation réaliste d'échange, dans un contexte, il est vrai, fortement dollarisé, le pays s'est monétisé et bancarisé à vive allure. L'économie en a profité, notamment le secteur de la construction, où se constitue en 2008 un début de bulle immobilière. C'est à cette date que le modèle de croissance cambodgien s'engage dans une nouvelle étape. Il lui faut maintenant asseoir sa dynamique sur un socle d'activités plus diversifié, faire de l'agriculture une vraie priorité, pousser plus loin la modernisation de ses infrastructures et impliquer davantage l'État dans la politique économique et sociale. Au Cambodge, l'agriculture représente encore 2/3 des emplois et 1/3 du PIB. Mais sauf quelques récoltes exceptionnelles,
n'a pas suivi la croissance globale du pays. On reconnaît maintenant que c'est d'elle que dépendra l'équilibre et aussi la prospérité du pays. La promotion de l'agriculture familiale, notamment de la riziculture, passe par l'irrigation, la sélection des semences et la diversification des cultures. Cela exige aussi de meilleurs accès au crédit, au marché et bien sûr à la propriété, dont les effets sur la productivité sont bien connus. Mais la petite et la grande agriculture ne sont pas du tout antinomiques. Le paysan cambodgien a besoin de bonnes structures de transformation pour l'exportation et le marché intérieur. Les grandes plantations en concession ou pleine propriété ont aussi leur place si elles mettent en valeur des terres nouvelles ou mal exploitées. Les axes sont tout naturellement ceux où le Cambodge dispose de conditions favorables. Soyons réalistes. L'éventail des autres secteurs développables n'est pas excessivement large. Le marché est encore étroit et si ouvert au commerce international que l'industrialisation ne peut qu'être très ciblé. À côté des créneaux déjà exploités, cimenterie, matériaux de construction, chaussures, brasserie par exemple, nous avons un réel potentiel dans l'agroalimentaire pour exporter ou se substituer à certaines importations qui semblent peu rationnelles. Des niches intéressantes existent aussi dans l'artisanat d'art et la mode, les produits pharmaceutiques, certaines activités d'assemblage industriel. C'est pourtant la position centrale du Cambodge en Asie du Sud-Est qui devrait être notre atout essentiel, permettant ainsi notre intégration aux chaînes régionales de production, la délocalisation industrielle dans les zones économiques spéciales frontalières et le long des grands axes routiers et ferroviaires qui prennent forme. Bien sûr, il faut compter en premier lieu sur les activités de commerce et de services qui sont liées au moteur actuel de l'économie et aux revenus qu'ils génèrent. Le taux de pauvreté, déjà ramené à 27%, aura sûrement été divisé par deux d'ici 2015. Chaque Cambodgien produit en moyenne 800 dollars par an, et bien davantage si l'on tient pleinement compte de l'économie informelle et des parités de pouvoir d'achat. Dans les campagnes, la demande se concentre encore sur la motocyclette, le téléphone portable, la construction de maisons en dur et des équipements de confort de base. Dans les villes, les nouveaux comportements de consommation asiatique ont fait irruption. L'automobile, la publicité, la grande distribution, les enseignes internationales. Les piliers essentiels, le textile, le tourisme, les infrastructures, le secteur bancaire, doivent donc évoluer. Yeah, we are considered one of the better factories in Cambodia. We upgrade our machineries, we offer skilled training for our workers, and then we pay fair wages, and we adopt all the social compliances like basic wages, good working condition, and on that basis, we are able to get good results from our business.
Well, we are a factory that aims towards going higher standard, better, higher value added, more fashionable items to compete with the other countries like Bangladesh and Sri Lanka that's doing low-end and basement items. The workers in Cambodia have gained skill after the last 16 years, so they are able to do better, higher value-added items and more fashionable items, because this is the only way to go forward to compete with the other countries. Autour d'Angkor, il existe une vaste zone riche en vestiges exceptionnels à mettre en valeur. Le développement du tourisme culturel d'Angkor, associé au développement de sites balnéaires sur la côte sud et dans les îles, doit être complété par la mise en valeur des produits d'écotourisme dans les régions reculées. L'eau, les barques, ont été le principal lien du Cambodge ancien. La priorité d'aujourd'hui, ce sont les routes et les ponts. Il a longtemps fallu réhabiliter et reconstruire. Mais le Cambodge est brusquement passé à la vitesse supérieure. Les ouvrages se multiplient pour faire mieux communiquer l'est et l'ouest du pays, pour créer aussi de grands corridors de développement entre les pays de la région et pour désenclaver les zones rurales. L'électrification a été le parent pauvre du modèle de croissance cambodgien. Production exclusivement d'origine diesel, souvent obsolète et insuffisante. Les prix du courant sont les plus élevés de la région. C'est en train de devenir une chose du passé grâce à la coopération internationale et au partenariat public-privé. Des lignes haute tension permettent l'importation, pour l'instant, vitale du Vietnam et de Thaïlande et permettront demain une bonne interconnexion nationale et régionale. Dès 2012, avec l'apport de barrages hydroélectriques et de centrales thermiques modernes, la génération d'électricité sera portée à plus de 800 mégawatts. C'est encore modeste, mais c'est presque 4 fois plus qu'actuellement. Pour l'électrification encore très en retard des campagnes, on compte aussi sur la concession de la production et de la distribution locale à de petites entreprises privées. Tout cela suppose davantage de financement.